ben c'est vraiment un coup du hasard. Hein. Les ouvriers avaient fini leur journée de travail. Ils s'étaient tous rassemblés fraternellement sous un petit carbé que nous avons à la Soufouille. Hein, et ils étaient en train de déjeuner. Et bon, la pluie a commencé à tomber et la foudre est tombée alors dans des circonstances vraiment incroyables hein, sur ce petit carbé. Et du coup, on a déploré quand même pas mal de dégâts puisque trois de nos salariés ont été orientés sur le CHBT pour trois d'entre eux donc, qui sont partis avec les pompiers. Et l'un d'entre eux, donc, qui était sérieusement blessé, donc, a été par contre élitreillé jusqu'à Pointe-à-Pitre, puisque son cas était très très sérieux. Et donc pour le moment, donc, notre pensée va, une pensée émue va à eux-mêmes et à leur famille. Les vieux habitants étaient touchés de plein fouet cet après-midi par un phénomène, je dirais, pas courant, puisque la foudre est tombée sur une des propriétés du lieu dit le Bouchu à deux habitants, sur l'exploitation de l'association à Soufouille, effectivement, où un groupe d'ouvriers a été touché. Malheureusement, deux d'entre eux ont été grièvement blessés, et puis trois autres légèrement, trois blessés légers ont été transportés au CHBT. Et évidemment, parmi les deux blessés graves, il y a eu un décès. Un décès, malheureusement, qu'on a à déplorer sur ce territoire.